Processus de digitalisation du port autonome de Tribi, quels en sont les changements observés au niveau du travail et les chiffres enregistrés? Monsieur Habib Iya, chef des représentations du port autonome de Tribi au micro des Koluma News. En termes de chiffres, il faut dire que le port de Tribi a la particularité d'avoir déjà démarré de façon digitale. On n'a pas connu un processus manuel. On a tout de suite, lorsqu'on démarrait, commençait avec des processus digitalisés. Alors, ces quatre principes. Premier principe, on ne demandera jamais à l'opérateur d'être présent dans la ville pour opérer. On a mis en place des systèmes pour qu'il puisse se connecter à distance. Deuxième principe, on ne lui demandera jamais une facture manuelle, une facture physique. C'est-à-dire, il envoie les éléments, il va payer à la banque, on interface les messages. Troisième élément, on n'a pas d'autorisation sur papier. Tout se passe dans le système d'information. Et quatrième élément, c'est cette animation de la communauté opérationnelle autour d'interfaces digitaux. Voilà un peu nos principes clés.